Tu n'es pas de prier à la maison, tu veux le tuer, le premier Dieu dit bonjour. Sensibiliser le public ivoirien au bien-être, donner des idées d'activité, mettre à la disposition de ce public des outils pour son bien-être et retrouver la sécurité financière, c'est l'objectif visé par ce séminaire animé par Augustin Zinsou Baguidi et Frédéric Apia Eloukou, deux coachs motivateurs, membres du réseau de marketing relationnel et de développement personnel, les vainqueurs. Une séance de transmission de connaissances et de partage d'expériences afin d'appeler les Ivoiriens et les Africains en général à la rencontre de l'énergie de l'argent. Les salaires font vivre, les profits valent mieux que les salaires. Ce que j'ai dit à la population, c'est de leur montrer des méthodes simples, honnêtes, fiables, qui leur permettra de vivre décemment. Parce que quand on dit vivre décemment, apprenez que la pauvreté est un choix, apprenez aussi que la pauvreté est une maladie. Alors qu'est-ce qu'il faut pour améliorer son état de vie? Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer ses revenus? Permettre à la population de pouvoir savoir dynamiser ses activités pour ne pas dynamiter ses revenus. Pour les participants conviés à cette randonnée, c'est une lueur d'espoir. Vraiment, je crois que ça m'a vraiment galvanisé. Et avec tous les exemples, les images même qu'il a décrit de par son passé jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est, je pense que c'est déjà même une expérience motivante à la jeunesse ivoirienne. Surtout même, je souhaiterais que nous entreprenions parce que tout est une question d'entrepreneuriat. Tout le monde court vers la prospérité, pendant personne n'a le temps consacré à son bien-être. Je viens de découvrir une opportunité où les deux aspects sont pris en compte, le bien-être tout en cherchant de l'argent. C'est donc une très excellente opportunité. En tout cas, je lance un appel, je parle là très confiant et je suis déterminé à partager l'information autour de moi. À la demande exprimée par les participants, les initiateurs de la présente rencontre répondent favorablement. Le samedi 19 novembre à 10h ou à 15h selon votre disponibilité. Et ce que les gens ont venu découvrir ici, c'est comment à partir de maintenant se préparer pour réussir l'année 2017 selon ce qu'on veut. On peut démarrer une affaire ici à Abidjan, ok, avec juste moins de 300 000 francs, ok, démarrer une affaire et utiliser ces midi 2, ces week-ends seulement, pour pouvoir construire une entreprise au bout de 3 années qui pourront offrir à la famille et à toute notre communauté le style de vie dont on aspire. Rendez-vous donc pris pour le samedi 19 novembre pour d'autres échanges constructifs avec le réseau de marketing et de développement personnel Les Vainqueurs, un réseau déjà présent dans 18 pays africains.